Bonjour à tous frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous partager brièvement une méditation sur la manière dont Dieu réconcilie nos cœurs à lui. Et la manière dont Dieu fait cela, c'est sa psychologie. Et la psychologie de Dieu, elle est entièrement différente de la psychologie du monde, en ce que nous nous souvenons comment Dieu a abordé Adam après que nos parents soient tombés. Au lieu de venir à Adam et de dire à Adam, voilà, tu as fait ça, 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 ça. Dieu est venu à Adam comme à son habitude dans le jardin d'Éden, pour le rencontrer, pour rencontrer nos premiers parents. Et au lieu de lui dire tout ce qu'il avait fait, nous voyons dans son attitude la psychologie de Dieu envers l'homme, et plus précisément la psychologie de Dieu envers l'homme pécheur. Dieu est venu à Adam dans le jardin et lui a dit, où es-tu? Où es-tu? La psychologie de Dieu, ce n'est pas tant de nous dire que ce que nous avons fait est mal, quoique cela en fasse partie, mais c'est de nous faire méditer et réfléchir sur où nous sommes aujourd'hui par rapport à où nous étions hier, où nous sommes après avoir péché par rapport à là où nous étions quand nous étions en harmonie avec toute la parole de Dieu. Et donc, la psychologie de Dieu, ce n'est pas non plus de mettre la faute sur uniquement nos circonstances et de faire de nous une victime et de dire c'est la faute à un tel ou c'est la faute à ceci. Mais c'est en attirant notre attention vers le contraste entre notre précédente condition et notre présente, de nous faire comprendre qu'il y a eu un changement dans ta relation avec moi. Moi, je n'ai pas changé. Dieu est venu à Adam et lui a dit, « Adam, où es-tu ? » Moi, je suis au même endroit, mais où es-tu ? Et pour pallier à notre manque d'assurance qui est dû à notre péché, Dieu aussi, dans sa psychologie, vient à nous en nous disant, comme c'est écrit dans 1 Jean, je crois que c'est le chapitre 1, que si quelqu'un a péché, si quelqu'un a péché, si quelqu'un se sent séparé, si quelqu'un se sent sans réconciliation, si quelqu'un se sent condamné, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et donc la psychologie de notre Dieu, ce n'est pas de condamner nos péchés, mais c'est de venir à nous, de s'approcher de nous pour nous mener de nouveau à lui et de nous réconcilier à lui. Et donc il dit, si vous vous sentez condamné, vous avez un intercesseur, vous avez un médiateur, vous avez un sauveur. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour pourvoir à nos manquement. Et la psychologie de Dieu, ce n'est pas de nous dire que maintenant il faut que tu aies confiance en toi, mais c'est plutôt de dire que tu ne devrais avoir aucune confiance en toi et mettre toute ta confiance en Dieu. Et donc, comme c'est écrit comme le psalmiste le disait sous l'esprit d'inspiration, lorsque je crains, je me confierai en Dieu. Au moment où je crains, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais me confier en moi-même? Est-ce que je vais m'assurer moi-même? Est-ce que je vais affermir mon sens de mes propres capacités? Non.
Non. Je me confierai en Dieu. Je me confierai pourquoi? Je dirai, j'ai péché, mais j'ai un avocat auprès du Père et je me tournerai vers celui qui est venu à Adam en lui demandant où lui était, parce que lui, Dieu, était toujours disposé à discuter et à communier. Donc voilà, c'était une petite méditation à défaut de pouvoir en faire et d'en avoir fait une plus grande, pour que nous puissions considérer où nous sommes et qu'en réalisant où nous sommes, nous ne soyons pas découragés, mais que nous puissions prendre courage et savoir que le Dieu qui était pour Adam un ami est aussi pour nous exactement cela, pour que nous puissions trouver en Dieu un ami et un compagnon. Et une partie de la psychologie de Dieu, frères et sœurs, comme vous pouvez le voir ici, je suis dans la nature, c'est de venir se réfugier dans la création de Dieu pour pouvoir trouver celui qui est le Dieu de la parole, mais le trouver plus physiquement présent, de telle sorte que nous n'ayons pas uniquement l'impression que Dieu est un juge et le créateur de toutes les lois, mais qu'il est aussi un ami et un compagnon. Parce que dans la nature, nous avons le langage corporel de Dieu. Dans la parole, nous avons son intelligence, sa sagesse, son savoir et une quantité inouïe de révélation de lui, mais dans la nature, nous apprenons à communier dans le calme et dans la sérénité. Et nous apprenons aussi à nous harmoniser, si on pourrait dire, avec le Créateur de toutes ces choses. Voilà, frères et sœurs, c'est ma prière que vous aussi, vous puissiez être encouragés de ne pas baisser les yeux, la tête, mais de lever la tête par la foi pour voir et croire que Dieu est bel et bien celui qui est compatissant et miséricordieux. Et quoique il ne tient pas pour innocent le coupable, qu'il est toujours disposé à pardonner, à nous justifier pour qu'il puisse aussi nous sanctifier, parce que c'est impossible, frères et sœurs, de parvenir à cet état des 144 000 si nous n'avons pas sans cesse le sentiment que Dieu nous justifie et que Dieu nous réconcilie à chaque instant à travers l'exercice de notre foi. C'est ma prière que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous ensemble dans cette attitude, dans cette croyance, dans cette foi, que nous puissions continuer à marcher et à croire. Que le Seigneur vous bénisse.